Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. En dernier déclaration, Premier ministre Petit Boutan, Claude Joseph, face au assassinat du président de la République, Jovenel Moïse. Quoi, nous tout temps d'il. Jeudi à même, à 1h du matin, 7 juillet, un groupe de monde, je ne pas identifier, là, il y a quelqu'un qui parle espagnol, quelqu'un qui parle anglais, il a attaqué l'évidence du président de la République là. Le président a blessé, qui a succombé à la blessure. Madame président est présentement à prendre soin que calme nécessité parce que lui-même tout, il était pris en balle. Présentement, moi-même, comme premier ministre AI, moi, avec CSPN, moi, je voulais faire un appel à la population. Parce que nous condamnons d'abord acte, nous sommes capables de dire barbare ça, assassinat président, mais moi, je voulais faire un appel au calme à la population, hein, accompagné du reste et de CSPN que nous avons là avec DG Léon Charles, ministre intérieur, et pour me citer ça seulement. Situation sécurité pays, elle est déjà sous contrôle. La police, présentement, gagne sous contrôle un bon parti dans Pétionville, en bas la ville, par le national. Et force armée d'Haïti a toujours campé. Donc, ça me garantit, nous, c'est que continuité d'État l'a assurée. Et nous, les toutes forces vives nation, hein, mettez ensemble pour nous condamner à ça et chita ensemble pour nous comprendre que le pays n'a pas qu'à là. Parce que c'est et de blancs, monde étranger, qui viennent assassiner un président en fonction. Donc, ça, c'est un appel pour demander toute force, toute parti politique dans le pays à condamner à ça, à criminel ça, à barbare ça. Moi, je voulais encore l'autre fois faire un appel à la population au calme. Situation sous contrôle. Moi-même, comme premier ministre en fonction, moi, ben, nous garantis que la continuité de l'État sera assurée. Petit président en sécurité, madame président a pris soin que cal nécessité. Présentement, et CSPN est réuni pour gagner une situation pays sous contrôle parce que c'est démocratie, c'est république là qui pour porter victoire. Et moi, je voulais bon garantir que la situation sous contrôle parce que moi, présentement, avec le CSPN, et n'a pas réuni pour nous et pour toutes les mesures qui s'imposent et garantir la continuité de l'État. Merci. D'accord, nous sommes des déclarations du Premier ministre un petit bout de temps pays d'Haïtien qui confirmait la mort du président républicain Jovenel Moïse. Maintenant, c'est que nous nous reposons en paix. Je connais ni c'est pour qu'a dominé l'actualité hein, c'est attaque qui fait contre président de la République Jovenel Moïse et qui avait perdu la vie pendant attaque ça qui avait fait hier au soir ou encore dans la nuit là et hier mardi pour jeudi mercredi 7 juillet 2021 côté président perdu la vie et gagné première dame République là lui-même qui a recevoir soin dans l'hôpital parce qu'elle recevoir plusieurs balles selon la pression que cal nécessité d'après un communiqué qui sorti de côté Premier ministre Petit Boutan Claude Joseph lui-même qui déjà font établir son réunion extraordinaire CSPN pour capable garantir sécurité en dans pays d'Haïti. Donc je comprends là son journal tout à fait spécial qui gagne jeudi hein. Nous sommes déjà diverses interventions, collaborateurs nous, d'abord Alain Etienne, puis son Orius, et même qui a intervenu de temps en temps, en dans le journal là, pour dire nous exactement ce qui a passé dans la rue Port-au-Prince, acte dans le reste du pays, hein, avec des correspondants nous autour, et eux même qui a intervenu, qui a dit nous exactement comment ça y est, dans différents endroits, dans la capitale là, dans le reste du pays, et particulièrement dans la ville Gonaïve. Ça qui a dominé l'actualité à, secrétaire d'État de la communication, Franz Exantus, fait qu'on a une discussion qui t'a finalisé pour le nouveau cabinet ministériel, t'a continué entre président Jovenel Moïse. Donc, ça veut dire que, qu'on y a là, président Moïse, avec premier ministre, l'idée nommé, qui c'est Daniel Henry. Donc, gagné,
Mathias Pierre lui-même qui t'a fait croire que président républicain Jovenel Moïse fait choix de Ariel Henry comme nouveau premier ministre paysan, et c'est un choix transversal d'après déclaration ministre Mathias Pierre t'a fait. Mais pendant que c'est une nomination que président républicain fin fait qui gagne un pile contestation, mais là tout le joindre quelques supports, particulièrement ancien premier ministre Evans Paul, leader Confédération Unité Démocratique là, lui-même qui dit il accueille favorablement nomination Ariel Henry comme premier ministre, et il croit que son soulagement pour pays, et il pense que moun qui c'est un monde qui est capable de joindre une solution à question insécurité dans pays d'Haïti. Dans ce sens, Evans Paul lui-même était lancé un appel à tout secteur pour être capable de collaborer avec nouveau premier ministre. Gagné leader Clarence Renoir lui-même qui a affirmé que il va coopérer avec le nouveau premier ministre, hein, qui c'est Ariel Henry, qui ne dit pas au courant de aucun démarche qu'a fait bon côté opposition, hein, pour capable entrer dans le gouvernement Ariel Henry. Alors, que le secrétaire général fusion socio-démocratio, ingénieur Rosemont Pradel, déclaré nomination du nouveau premier ministre, pas d'après résoudre un canaïen dans la crise pays d'Haïti après face dans le dernier temps, ça y est, pour la situation, hein, en plumé, d'après ingénieur Rosemont Pradel, qui est secrétaire général, Parti Fusion Démocratio. Bien responsable Uniforce, là, Paul Denis, qui déclarait reconnaître aucune décision président Jovenel Moïse prend ni aucune action li pose. Ancien sénateur Paul Denis fait connaître, pas gain pour négocier avec un monde tant que président Moïse, puisque mandat fini depuis 7 février et j'entends de là là. Donc c'est président lui-même qui a perdu la ville. Donc c'est ça que tu gagnes dans l'information pour jeudi là. Mais plus gros information, amis auditeurs, c'est président républicain Jovenel Moïse qui subit un attaque armée par ensemble de étrangers, il dit c'est colombien mais il est avec vénézuélien qui a attaqué résidence privée président républicain dans Pèlerin 5, cause fait quoi que président perdu la ville et madame ni ta arrivé blessé, et il était marié plusieurs sécurité tant que crabe pour être capable arriver faire attaque ça. Donc nous capable constater que il y a une vidéo qui virale sur toutes les réseaux sociaux qui a montré de étrangers qui t'a parlé langue étrangère sur tout réseau social, yo, nous t'es capable de garder vidéo ça. Mais faut dire que, bien bon, d'un souhait, t'es grand pile cousin qui t'a chanté, plusieurs côtés dans la capitale pays, en Port-au-Prince, particulièrement dans la zone tabac. Côté que, depuis bien bonheur, j'y vais bien tard dans la nuit, là, zam, pas de bouquet chanté, même bien tout, dans la cinquième circonscription, la troisième circonscription, Port-au-Prince, là, zam, t'es continué à chanter pendant toute la nuit, là. Quand Port-au-Prince réveillé matin, quelqu'un pour le prince réveillé avec un calme apparent, vous voyez que situation presque calme, vous voyez que pour gagner aucune réaction, tout le monde sont suspendu, tellement il y a plein de réunions qui ont sorti dans CSPN là, pour qu'on ait de qui prévient, qui s'est passé pendant la prochaine minute là. Donc, les amis auditeurs, c'est presque comme ça, situation y est jeudi, hein. Nous avons une information journée, hein. C'est le président républicain Jovenel Moïse lui-même qui perdu la ville non attaque armée qui fait dans pays. Mais n'a continué avec l'autre information pour vous, en attendant que Alain Etienne puis son Orius ensemble avec l'autre monde nous gagne pas de pression tout capable ba nous de temps en temps information sur ça qui a passé dans pays. Nabzou Jean Saté dit depuis hier président public journaliste fait choix de Ariel Henry comme nouveau premier ministre paysan. C'est un choix transversal d'après déclaration Mathias Pierre, qui est ministre qui était chargé des affaires électorales, il fait qu'on ait nomination pour le ministre, ça arrivait faire élection, c'est arrivé faire élection à référendum constitutionnel. En écoutant Mathias Pierre. Donc, un petit problème technique, empêchez nous d'entendre extrait sonore de déclaration Mathias Pierre, t'es fait depuis hier sous question élection, yo. Mais faut dire que c'est des informations qui prennent et qui peut-être capable de changer de donne avec Zak Sak passé hier soir dans Pèlerin 5, côté que bandit Axam, on connaît Axam commando étranger, il veut attaquer président républicain dans résidence li, côté que il perdu la vie, il mourit d'après une note qui sorti bon côté premier ministre sortant, on est premier ministre, nouveau premier ministre Ariel Henry lui-même il pas de installé, donc c'est Claude Joseph lui-même qui a assuré intérimement là comme ça doit, donc
li met une note dehors, moi c'est content d'elle déjà avec plus son risque, n'a bien quand même li pour qui dit comme ça. Et une note qui sorti beaucoup des primaturants qui dit vers 1h du matin dans la nuit mardi 6 pour arriver mercredi 6 juillet 2021, bon groupe individu qui pas que monde pas arrivé identifier, gagne en pile là-dedans qui t'a parlé espagnol, yo attaqué résidence privée président République là, Jovenel Moïse et comme ça président blessé, chef d'État blessé mortellement, elle blessé par balle, et première dame lui-même lui blessé par balle, lui prend et qu'on y a la prend soin que cal nécessité. J'en désolé de temps en temps n'a bien des interventions différents collaborateurs nous yo, particulièrement Alain Etienne lui-même qui dans les rues que n'a recevoir. Bonjour Alain. Bonjour Patrick, j'en ai une nouvelle là, c'est que depuis bien bonheur, à son passant aux environs de minuit et demi, une groupe nègre attaqué qui est privé, président de la République là, on appelle R5, monsieur, il est rentré dans son ministère, vraiment, il frise agent sécurité, il a désarmé et police, il a assuré la sécurité là. Yo prends amio, yo entre, yo te gata arrivé dans chambre président, et c'est la même, yo parle, ou fait coup de chan sous président à toute madame, et yo parle d'un 30 à 40 nègres consacres qui viennent à commando, et te gon échange coup de chan qui t'a fait dans zone nord, mais finalement, pour aucun détail, est-ce que gagne un mercenaire ça a mouru, est-ce que yo arrêté yo tout, parce que te gon un affrontement qui t'a éclaté dans zone pour l'église Saint-Pierre comme ça. Non, et n'a pas été en ville. Mais pour aucun détail, ça qui s'est fait, c'est que le président lui-même, il est vraiment blessé, mortellement blessé, pour nous dire qu'il est mort. Et madame, là, elle passe à l'hôpital, automatiquement, c'est que il a plongé avec l'hôpital, c'est responsable d'une guerre, puisque madame, là, elle passe à l'hôpital. Mais pour le président, il y a les informations révélées que nous mourir, il n'est pas là. Donc, nous sommes avec un pays qui n'a pas un président matériel. Parce que le président lui-même est mort et assassiné à 7 matin, donc alors par la passe à minuit et demi et du matin, les groupes commando a attaqué le président. Le premier ministre mettait notre dehors, il annonçait que le pays a gagné la liste au contrôle de la police avec l'armée d'Haïti. Et donc c'est le premier ministre pour tout bout de temps, parce que le premier ministre fait nommé, c'est le Joseph, qui fait nommé, pendant un fait notre salle, annoncé que la démocratie a triomphé. Donc comment vous voulez venir même? Et activité beaucoup réveillée. Nous avons appelé beaucoup de gens sur la rue et ils ont parlé de ces nouvelles-là parce qu'ils ont tombé, son groupe de fret. Il y a deux ou trois groupes qui ont automatiquement été tirés dans un cas-soleil aux environs de 5h30 et 6h30. Il y a appelé beaucoup de gens de l'Europe, il y a beaucoup de gens qui ont été tirés dans cette ville-là, dans le sein. Et quand ils ont travaillé, il y a des gens qui ont fait l'activité. Donc tout le monde net dans la rue, à un moment on a parlé là. Et malgré que gagnent et un peu de monde pour qu'on connaisse exactement qui s'est passé là hier soir et comment le président fait parler de la paix ensemble avec nous. Donc c'est vraiment concernant ce qui est. C'est une journée qui va continuer cette soirée parce que tout le monde gagne d'autres sur ce qui a passé là, sur ce qui fait dans la rue là. Donc c'est information ça que nous gagnons. Même quand nous, dans le Gonaï, l'activité, il y a beaucoup de réveil net. Mais il y a des gens dans la rue, des camionnettes dans la rue, machines à compter, machines à descendre, autosuppètes dans la rue honnête. Et puis, ça c'est pour écouter l'activité de l'IE, pour qu'on ait des machines, mais j'en annonce au lien, il y a plusieurs groupes qui campent sur la rue, jeunes garçons, il y a des parler, parce que pas des gens qui étaient attendre dans le moment ça, et il y a des enfants qui sont là. Après, appelé pour l'histoire, et Patrick Seyre, ça fait le deuxième président. Haïti connaît qui va mourir assassiné. Vraiment, il y a William Sam qui va mourir assassiné. Et puis, il y a Jovenel Moïse qui est en liste. Mais il faut nous rappeler aux auditeurs que parole assassinée, ça, il y a longtemps à parler, et quand il y a une déclaration, il nous a dit que il y a un président passé, même genre avec William Sam. Donc, pratiquement, parole, il y a sorti de parole, il y a passé l'acte. Et nous, vraiment, il y a un état, et son monde par rapport à ça, nous faisons tout ça comme état dans nous vraiment cruel, et surtout avec Zach et sécurité qui a développé la pays. Mais, ce sont deux bonnes questions, interrogations, c'est qui a mis le pays d'Haïti dans le cabinet. Et dans le cabinet tout, parce que le pays a beaucoup levé, le pays a prêt à lever. Donc, qui s'est fait pendant la journée,
comment les journées en train de passer. Il n'y a pas de dire que nous avons bataillé avec des gangs armés, des gangs qui sont les armes dans les meilleurs, des gangs qui sont les têtes révolutionnaires, et là nous prenons le cas de barbecue. Donc, ça, on va le mettre en pile d'interrogation si bon, nous allons arriver avec le pays d'art, et comment nous allons rétablir la paix. Est-ce que après la mort de Jovenel Moïse, nous allons faire rétablir la capitale là, le pays là? Qui est-ce que ça a été? C'est le plus gros problème qui est là, qu'on est là. Mais comme nous, bagarre la paix, c'est cassé. Si on prend une route de la côte là, on va prendre libre. Pas de quoi activer les gens, c'est quoi? Seulement, Mounio, on toujours à parler. Et ça qui a passé, ça qui a parlé là. Et le groupe, on dit le vrai. Qui a demandé, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Moi, ouais, déjà, je passe devant ce qui est le temps, qui est sur route là. Il y a des gens qui ont déjà commencé à prendre ligne. Il y a des gens qui ont toujours fonctionné normalement. Et le camion va compter descendre. Et donc, ça veut montrer que la vie est levée déjà dans la ville qu'on a. Dans le campignon, dans les journées, dans le journal, dans le moyen, comme un pays d'Haïti d'aller, dans la situation qui est là, nous pouvons que nous n'avons arrivé non pas vraiment dépassé par les vies. Et est-ce que nous avons débouché sur une bataille? Parce que, mettez notre pays, ça résout le problème de Matissan, résout le problème de Kassamarozo. Est-ce que, avec la mort, ça là, et finissera un groupe armé beaucoup de temps. Donc, c'est quelque chose là. On a fait toujours continuer à sillonner ville qu'on arrive, et nous connaissons comment la situation est. Mais je nous donne là, pour le moment, ville qu'on arrive très calme. Il n'y a rien à signaler, et nous sommes tous en train de regarder. Et il y a une discussion pour que nous retournions. Et après, pendant l'heure, ça n'a pas l'air parce que c'est des différents leaders. Donc, il n'y a rien qui a commencé à fonctionner. Grâce à la ville, des machines à l'arrière, des cafés, pour qu'il y ait la carreau. Mais on a parlé là, pas qu'à Pindor, le détail pour escourir. Mais dans le moment, on a parlé là, il passait la carreau pour rejoindre nos camionnettes, mais on a fait ce qu'il y a, et quelque part, quand on a parlé là, et on va le checker pour me dire, est-ce que ça se marche pour nous? Dans le moment, on a parlé là, à charger de l'hôpital de Port-au-Prince, pour éviter qu'on aille vraiment tout faire, puisque. On a essayé de sillonner la ville pour donner des détails et informations comme on dit là, les mêmes approuvé la terre. Mais Patrick, tout le monde dans la rue qu'on est là, tout le monde campé, son saisissement, c'est vraiment personne monde, tant tout le jeune, tout le monde, c'est comment il a fait, est-ce que c'est vrai, de lever avec le président, qui est sous pouvoir qui nous. Est-ce que c'est vrai, ils ont attaqué le président. Bon. Il y a un peu d'interrogation qui a posé. Vous le croyez dans le rêve toujours. Oui, périmètre sécurité, qu'est-ce que le président? Est-ce qu'elle est respectée? Comment faire bandit à l'État attaquer le président? Donc, ce ne sont pas des questions qui a posé qui pourront aucune réponse. Mais il faut que tout le monde dise vraiment pour qu'on connaisse exactement ce qui s'est lié. Information qui s'est liée, qui est en cause. Mais pour cette ville-là, et je suis capable de dire qu'en bas de la ville-là, sur le Réa, les activités normales, car il est à côté de San, pas gagné à s'y aller, marché à fonctionner, et marché communal là, et l'envie où jouent une machine pour Saint-Mac, et qui campe les Captain Moon, et bon, et qu'on appelle qu'on arrive là, même constat tout, pas gagné, garde tout le monde, on va pas la voler là. Pour les synonymes, parce que nous, on va garder le fermé, devant, liste de Fabien Fouin là, les camionnettes qui campent les Captain, ici, où est-ce que le monde, pour aller mener l'activité, yo. Donc, c'est samedi, là, dans le moment où il y a là. Notre station est Port-au-Prince. Alors, bon arrive, Port-au-Prince, là. Nous connaissons ce qu'on en bas des carreaux ateliers. Comment activité est dans la zone ça? Est-ce qu'il y a une machine qui a changé pour Port-au-Prince? Eh bien, vous ne pouvez pas avoir aucun gros camion, mais pas pour bord de GIA qui a changé. Dans le moment où on a parlé là, les vides, pas les machines. Station machine, là. Pratiquement, yo, ça fait machine qui a changé pour Port-au-Prince, là. Yo, vide tout. Pas une activité pour le presse là. Pas une activité pour le presse. Donc, pour le temps de ce matin là, dans le moment où on a parlé là, nous, pour les GIA, pas une activité machine qui a changé pour le presse. Donc, nous, capables de dire, c'est pas comme en matière de formation, pas une machine qui a changé pour le presse. Comme là, l'avion n'est pas vide, il y a mon ladon, mais la machine qu'on a pu se charger. Donc c'est ça me dit comme première information
ou bien comment ville vous naïve levé matin. Nous m'apprécions tout nous, sans ville qui devait très calme. Activité a déjà commencé à gagner dans la rue. Machine à compter, machine à descendre. Mais dans ce cas, pour avec le trafic, là, et pas une activité de trafic. Surtout, dans le niveau, et machine capturée pour Port-au-Prince, l'arrivée de GIA, elle est complètement vide. Pas une machine capturée, ni une station de retour, nous n'avons aucun bus capturé en deux stations. Il y a une station qui est passée, et dans le Grand Nord, et il y a un monde qui campe, mais pas un monde qui est en concret, qui est en train. Mais j'en ai peut-être qu'à ce soit un qui permet de se dehors. Avec des bombes de capsule pour Port-au-Prince. Ni pas pour le Port-au-Prince. Donc, Port-au-Prince, ou bien Gonaï, Port-au-Prince, il est vraiment paralysé comme ça, pas rien, pas rien qui se la donne. Et c'est ça, il y a en matière d'information pour Phil Gonaï. Maintenant, donc, il faut quitter Phil Gonaï pour le Saint-Marc. Ou bien pour vivre les faits, qu'il y a un camionnette qui a chargé, qui a fait autre temps. Il y a un camionnette qui a chargé pour aller en direction de. Ville Gonaï Blanc, pour Godet, pour y répéter toujours. Donc, c'est ça, nous matin. Il y a un capsule pour dire que c'est une ville Gonaïve. Dans le la ville, l'activité a été appelée, quand on a travaillé, le marché communal là, il ouvre, mais pour qu'il y ait un certain. Donc, c'est pour eux, est-ce qu'il y a un ouvre, est-ce qu'il n'y a pas un ouvre. Mais c'est ça, nous avons là, dans le moment où on a parlé là. Donc, pour dire la viande, on a fait pratiquement même de la porte de presse, mais n'est pas, les gens ne sont pas même là. Pour Gonaïve, l'activité a été appelée. Je commence les bonnes et maintenant là, parce qu'il y a des machines qui ont chargé, il y a des cafés, il y a des blocs, beaucoup de commissariats qui ont préparé au bureau des zones pour aller mener le monde, mais il faut bien aller. Donc, pas rien à s'y aller, c'est pas normal, ça c'est naïf, quand on a parlé là, par contre, c'est une question. Non, non, d'après, on dit d'arriver à vous, mais. Nous avons dit tout à l'heure d'Alain Etienne, de même qui est collaborateur nous, qui a ramassé sur ce qui a passé dans le centre-ville et Gonaïve, côté que les nous ont un bilan de situation. Hein. Donc, de temps en temps, nous allons regarder pour nous. Et qui réaction nous avons voté pour vous de temps en temps dans le journal. Ça, que nous présentons, qui est un journal tout à fait spécial, et sous antenne Radio Pyramide. Donc, j'étais branché Radio A, de temps en temps. De temps en temps, on a posé information pour vous. Et de temps en temps, on a posé information, qu'on a information journée, c'est que c'est le président républicain, Jovenel Moïse, qui subit une attaque d'un groupe étranger, de monde qui parle espagnol, la Cali, et le président blessé mortellement, d'après notre qui sont aussi bon côté, premier ministre haïtien pour petit bout de temps, Claude Joseph, qui fait croire que le président républicain lui mourit, et madame, la recevoir soin dans un centre hospitalier dans la capitale pays, en Port-au-Prince. Donc, c'est tension qui gagne un peu partout. Donc, dans la ville là, à la zone banon, compte rendu de divers quartiers dans la ville, côté Monio Campé, de Bolaoui, il y a commenté, il y a analysé. Mais, entre-temps, tout, activité de l'assemblée commence à prendre, et dans la ville là, donc après que Monio finit de dormir, il réveillé, il y a autant de nouvelles comme ça, ces nouvelles actes contingentes, ni même qu'à bouleverser Monio, que Monio pas attendre du tout. À qualité, nouvelle ça, dans la journée, mercredi 7 juillet 2021. Donc, n'a pas tourné de temps en temps pour une bonne information et pour jouer une pile réaction sur ce qui passé pendant la nuit, hier soir, pour arriver jeudi, mercredi 7 juillet 2021. N'a pas tourné. Vous connaissez, information journée, c'est assassinat président républicain Jovenel Moïse et dans la résidence privée où un commando armé débarqué pendant 8 ans et président mourit d'après première information qui sorti bon côté premier ministre haïtien pour petit bout de temps Claude Joseph. J'en ai promis déjà après Alain Etienne nous gagnons en direct depuis capitale pays en Port-au-Prince France Ronel René de Radio Caraïbes lui-même qui va le banon précision. Bonjour France. Bonjour à tous les auditeurs qui écoutent nos matières, toutes les décisions que nous cabaye, c'est que président Jovenel Moïse est mort, madame Mi a pris soin, deux petites bidégaines à Kaela en lieu sûr, plusieurs agents, Simo et l'autre agent de sécurité qui tapent Kaela sécurité
yo te barré yo pour attaque ça t'es capable de arriver à atteindre objectif B. Dans l'intervalle là, c'est pas facile pour que nous joignions plus de détails au niveau du gouvernement, à part de premier ministre qui tout de suite après on s'est mis des mettre dehors pour des pour premier rapport de sa partie et dans notre salle, il dit que Didier blessé mortellement, c'est après le confirmer dans la première intervention qu'il fait d'ailleurs sous Radio Caraïbe, que le président lui mourit. Information a sauté par compte. Pour l'instant, nous apprenons Dimitri Hera, qui est chef de sécurité par les nationales, lui arrêté. Hein? Et c'est probablement dans le cadre d'enquête qui pourra mener sous circonstance la mort président, puisque jusqu'à tout à l'heure, c'est gagné en CSPN spécial qui t'a déroulé pour connaître qui genre sécurité pays après aller et assurer la police et l'armée instruction pour que le prenne contrôle situation chef gouvernement dit il y a un contrôle pour l'État. Alors, c'est à travers la route pour tout le monde pour nous accader et à quel niveau contrôle ça les effectifs avec les correspondants nous, bon, pas correspondants, mais journalistes nous qui okay. Reportèrent, oui, journalistes qui étaient dans la rue matin, Port-au-Prince calme jusqu'à présent, pas vraiment gagné décidant pour nous signaler actuellement le président aller gagner des choucailles, gagner un mouvement spontané de rue côté Mounio sorti dans la rue pour célébrer c'est propos le cas le moment n'a pas les là donc sauf que à part de Pèlerin les habitants ils ont été rapportés ils ont passé une nuit de détonation gagner plusieurs autres au niveau de Tabar, nous connaissons un groupe gang très puissant qui a développé des guerres en pile cartouches qui sont tirées dans la nuit hier pour l'ouvrir matin. Nous ne connaissons pas si il y a un rapport, mais pour l'instant, c'est ça nous qu'a dit concernant nouvelle mort président Jovenel Moïse dans la nuit hier pour l'ouvrir matin. Merci Pierre-Renal René. Mes circulations commencent à reprendre, l'activité commence à faire dans Port-au-Prince. Pas vraiment, hein. À partir de fenêtre radio, mais capable de dire là où il y a les blanches, c'est une zone qui est fréquentée, c'est une zone qui n'est pas, en fait, une zone, une ancienne zone résidentielle, mais qui est habitée, qui a de l'activité, donc pas vraiment gagné, machine donc, qui a circulé dans périmètre radio à côté de moi et avec vous là, ça qui t'a révélateur que la rue n'a pas levé avec l'activité et cela de se comprendre la situation ça y est, donc tout le monde obligé de rester la caillou pour suivre radio pour connaître qui ça qui va le passer. Donc dans le moment on a parlé là à l'heure que il y a nous qu'a dit Port-au-Prince levé pas médical, mais parce que nous parlons toutes dernières informations qu'a pris les jeunes noms à compte-goutte, mais j'aimerais tout là, et contrairement à Santio, Port-au-Prince est plus ou moins calme dans le palais là. Merci un peu, Pierre-Renal René, n'a pas pris l'eau de temps en temps pour nous gagner une dernière information. Mais avant d'aller, vous parlez-nous de situation, deux petits présidents qui étaient dans la résidence là pendant l'attaque à la fête. Dans quelles conditions, comment vous y êtes, Coulier là? C'est ça, nous qu'a dit, à partir de réponses que nous joignent de chefs au gouvernement, l'un déposé la question, l'idée, Timounio, un lieu sûr. Ok, Timounio, un lieu sûr. Mais concernant cadavre président, Jovenel Moïse, cadavre là, toujours dans Kaila, et devant Kabani, donc ça qui laisse comprendre, juste de paix pour qu'on vienne pour, font ça à l'égal lieu, donc mais pour l'instant hein, c'est la police hein, qui prend contrôle Kaila selon information donc n'a suivre de près vos amis auditeurs donc si il y a évolution de la situation pendant toute la journée n'a prêté en contact pour être capable de communiquer aux amis auditeurs ça a passé n'importe où près suite à la mort président Jovenel Moïse dans la lutte hier pour l'ouvrir matin hein, madame Nishoti blessé de petit Nio en lieu sûr, nous pas gagné d'autres informations sur l'instant, pour l'instant, pardon, ce monde qui, était dans le cas là, que c'est agent de sécurité, non, pour dire qu'on apprenne qui était obligé.
monsieur Larry pour être capable d'avoir accès à Kala, mais par la suite, tout, nous allons apprendre tout gagner la police et les autorités qui ont arrêté et tout le monde qui était dans Kala, donc pour enquête certainement et agent de sécurité qui t'a assuré la sécurité Kala et président Jovenel Moïse. Merci un peu, Pierre-Renel Ouéné, n'a relou l'autre encore pour nous connaître toute dernière évolution, information, sur l'assassinat du président République, Jovenel Moïse. Merci beaucoup. Voilà, amis auditeurs, t'as écouté Pierre-Renel Ouéné de Radio Caraïbe, lui-même qui t'a apporté certaines précisions pour auditeurs et auditrices Radio Pyramidio sur la situation ça qui a passé dans le pays en Port-au-Prince, particulièrement côté que le président républicain Jovenel Moïse lui-même lui perdu la vie, non attaque armée. Un groupe commando qui t'a parlé langue créole d'avoir communiqué, qui sont aussi beaucoup des premiers ministres pour ce bout de temps, Claude Joseph, parce que le nouveau premier ministre en Port-co installé, Dr Ariel Henry, de Port-co étant installé comme premier ministre, c'est ancien premier ministre, ou encore premier ministre qui était là, Claude Joseph lui-même qui règne pays pour l'instant, parce que il y a un CSPN en urgence qui fait, et premier ministre a annoncé que la police avec l'armée d'Haïti gagne contrôle pays, il lance un appel au calme pour que yo capable sécuriser pays d'Haïti. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.